volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. C'est beaucoup mieux comme ça, Scarlett. Tu ferais mieux de garder cette jambe libre. Autrement, tu risquerais de te faire mal, d'accord? C'est juste que ce bandage est vraiment très moche, Madame Alicia. Eh bien, tu peux toujours porter de longues jupes pour le cacher. Oui. C'est bon, ça va aller. Quand est-ce que vous pensez que je pourrais l'enlever? Je crois que ça devrait aller d'ici quelques semaines. Ça m'a l'air de bien cicatriser. Oh, je n'en peux plus. À chaque fois que je regarde ma jambe, Madame Alicia, ça me donne envie de pleurer. Cette plaie me dégoûte, c'est horrible, c'est affreux. Mais voyons, elle disparaîtra complètement au fil du temps, c'est ce que le docteur a dit, n'est-ce pas? Et plus tard, tu peux avoir recours à la chirurgie plastique. Ah, ma belle, si j'étais toi, je ne penserais pas autant à l'esthétique. Le plus important, c'est que tu puisses à nouveau utiliser ta jambe. Qu'en est-il de la douleur? Parce que cette douleur est vraiment insupportable et je ne souhaite à personne de vivre ça. Même pas à mes ennemis. Il te faudra faire preuve de beaucoup de patience. Ça fait combien de temps? Il a repris connaissance après sa dernière visite. C'était la sœur du mannequin. Il faut qu'on l'examine. Les femmes ne sont qu'une malédiction, Tony. Tu sais que je ne suis pas d'accord avec toi, Ferchio. Je trouve que les femmes sont absolument charmantes et charismatiques. Elles sont tellement gracieuses, elles sont si délicates, elles sont élégantes, elles sont vraiment très chic. Ah ! Sans te parler de leur obsession pour le maquillage et pour les vêtements dernier cri. Moi, je trouve tout ça fascinant, mon chéri. Scarlett ne veut plus me voir. Elle ne répond plus à mes appels. Rien. Je sais que tu ne m'as rien demandé, mais laisse-moi te donner un conseil d'ami. Quoi? Je dois oublier Scarlett? Oui. Et aussi, tu as besoin de changer d'attitude. Changer d'attitude? Comment? Je ne sais pas, Ferchio. Par exemple, tu pourrais peut-être commencer par chercher un nouveau boulot. Il faut remercier Dieu parce que nous avons beaucoup de chance. Tu sais que ce monde dispose d'un éventail de possibilités, de couleurs, et de saveurs, et d'odeurs. Hmm? Les possibilités sont infinies, Ferchio. Et d'ailleurs, tout ce qu'il te manque, c'est un petit brin d'imagination et un tout petit peu d'audace sans vouloir te vexer, mon chéri. Ah, Tony, mais figure-toi que je suis très audacieux. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Non, mais quelle... C'est toi qui le crois. Tu le crois. Mais ce n'est pas vrai. C'est juste qu'à chaque fois que je sors avec une femme, ça tourne au vinaigre. Ça m'est arrivé avec Scarlett, ça m'est arrivé avec Lorena, ça m'est arrivé avec Lina. Dans ce cas-là, mon chéri, tu ne crois pas que c'est un signe? De quel genre de signe? Eh bien, je viens de t'en parler, Ferchio. Tu ne t'intéresses pas à la bonne personne. Hmm? Une sauce à la matriciana contient plus de pepperoni. Mais en honneur de notre personne malade, je l'ai rendu moins épicé. Ce plat, c'est ma spécialité. Alors? C'est bon? Je savais que tu allais aimer. Délicieux. Tant mieux. Dis-moi, Scarlett, la femme au téléphone, c'était ta maman, n'est-ce pas? On sait bien ce qu'elle m'a dit. Si elle te l'a dit, c'est que c'est vrai alors, non? Ah, Michel-Angèle, je n'ai pas envie d'en parler, tu sais. Oui, je sais, mais je ne trouve pas ça juste. Une maman, c'est une maman, n'est-ce pas? Ça dépend de quel genre de maman. Oublie ça. Non, c'est fait. Trop tard, Madame Alicia. Pourquoi est-ce que vous avez dit ça? Pourquoi est-ce que j'ai dit quoi? Eh bien, c'est que... Dites-moi que vous connaissez Bonnie, n'est-ce pas? Lorsqu'elle vivait avec mon papa, vous étiez voisine, peut-être que vous étiez même des amis. Non, je n'ai jamais été l'amie de Bonnie. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être amie avec tout le monde. Pardon.
Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es aussi nerveux? Mariana, ce qui se passe, c'est que... il se passe des choses que tu ne t'imagines même pas. C'est à propos de Scarlett? Non, pas ce que je sache. Non, elle est sortie de l'hôpital et elle est allée chez Roberto White. Ah oui, mais je suppose que sa jambe doit encore lui faire très mal. Non, ne t'en fais pas. Tu pourras lui parler au téléphone plus tard pour te rassurer. Ce n'est pas Scarlett le problème. Alors dans ce cas, c'est quoi le problème, papa? Ma grande, nous avons de la visite. De la visite? Une invitée. Inattendue. Qui? Bonsoir. Bonsoir, Bonnie, comment ça va? Elle va habiter chez nous pendant un bout de temps. Pas pour longtemps. Elle va seulement rester pendant quelques jours. Donc, Madame Alicia, vous ne voulez toujours pas me dire ce qui ne va pas entre vous et Bonnie? Je ne me suis jamais vraiment disputée avec Bonnie, Scarlett. Pour te dire franchement, on ne s'entendait pas, elle et moi. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Eh bien, pourquoi? Ça fait longtemps que ça s'est produit. Pourquoi est-ce que tu veux autant le savoir? Mais Madame Alicia, il s'avère que ce n'est que maintenant que cet homme est venu réapparaître dans ma vie. Et je dois savoir. J'ai besoin de connaître son passé. Non, papa. Cette femme ne peut pas rester ici. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que pour moi, c'est inacceptable, papa. Cette femme a détruit ma famille. La femme dont tu parles a un nom, Mariana. Elle s'appelle Bonnie et c'est la maman de Scarlett. Et j'attends de toi, ma fille, que tu la respectes un minimum. Est-ce que tu oses me parler de respect, papa? Je te rappelle que cette femme s'est fichue de ma maman en lui volant son mari, bon sang. Mais ce n'est pas vrai! Ah non! Nous avons tous une part de responsabilité dans cette histoire. Ta maman, Bonnie, et même moi, je suis également en tort. Elle aussi, elle avait tort. Ah, papa, par pitié. Tu as quitté ma maman pour une autre femme, n'est-ce pas? Pour une femme qui ne t'aimait même pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Tu le sais. Elle t'a abandonné avec une fille. T'as oublié? Réponds-moi. C'est vrai que je n'ai jamais aimé Bonnie. C'est tout simplement parce que je respectais beaucoup Elena, la maman de Mariana. Et elle a toujours torturé la vie de la pauvre Elena. C'était un désastre. Pourquoi? Elena était vraiment très amoureuse d'Augusto. Ne me demande pas pourquoi. Elle était red dingue amoureuse de ton papa. Ensuite, Bonnie a fait son apparition et a détruit leur mariage. Quelque temps après, l'atelier de couture d'Elena a coulé et tout s'est effondré. Et ensuite, elle a dû envoyer Mariana étudier à l'étranger car elle est tombée malade. Elle s'est retrouvée seule. Elle s'est éteinte. Elle est morte dans des circonstances affreuses. Alors pardonne-moi, Scarlett, mais tout ça, c'est de la faute de Bonnie. Et elle a eu le culot de quitter mon papa. Elle a osé m'abandonner. Elle est vraiment affreuse. Je lui ai déjà pardonné. Ah. Éprouver de la rancœur envers elle ne me servira à rien, Mariana. Bonnie est une femme qui a beaucoup souffert. Mmh. Elle n'a nulle part où aller. On ne peut pas se permettre de la jeter dans la rue comme ça. Disons qu'on fait un geste humanitaire. Je n'arrive pas à y croire. C'est quoi votre nom déjà? Parce que moi, je veux parler à Augusto Garcia. Pourquoi? Ah, papa. Parce que tu ne pardonnes jamais. Parce que je te connais. Toi, tu n'oublies jamais quand quelqu'un te fait du mal. Ah, tu exagères. Ah, tu exagères. J'exagère? Papa, bon sang. Rappelle-moi depuis combien de temps déjà tu détestes la famille White? Tu ne leur as jamais pardonné. Voyons, et tu viens me dire que tu as pardonné à Bonnie? Sérieusement, tu m'étonnes. Tu sais, la douleur peut changer les gens, Mariana. Et les semaines que j'ai passées en prison m'ont vraiment aidé à réfléchir. Mmh. J'ai vraiment changé. Je ne te crois pas, papa. En sortant de prison, tu voulais poursuivre Miguel Angel. Je n'ai aucune intention de le faire. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai fini par lui pardonner lui aussi. Je vais vérifier s'il reste quelque chose à l'intérieur. D'accord. Qu'est-ce que tu as? J'ai eu une sale journée. Et ma jambe me fait très mal. Oui, je peux imaginer. Au moins, tu as pu te reposer. Quand je suis arrivée, tu dormais profondément. Mmh. Oui. Mais comment est-ce que tu as pu entrer? Ah, c'est que j'avais fait deux doubles des clés. Une pour Madame Alicia et l'autre pour moi, au cas où elle serait nécessaire. Tiens, je te rends la mienne. Non. Garde-la. Non, c'est la maison de Roberto et je préfère te la rendre. Pendant que Roberto est à la clinique, c'est ma maison. Mmh. Garde-la. D'accord. Mmh.
Oui, allô? Docteur, c'est Scarlett Garcia, la fiancée de Roberto White. Je veux savoir si tout va bien. Comment va-t-il? Est-ce qu'il y a du nouveau? Il y a du nouveau. Juste après le départ de votre sœur, nous avons constaté que Monsieur Roberto White a commencé à bouger quelques parties de son corps. Je suis actuellement en train de lui faire un encéphalogramme. Il semblerait que les ondes bêta aient augmenté sa fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt une assez bonne nouvelle. D'habitude, ce genre de choses arrive quand le patient est en train de rêver, pas quand il est dans le coma. Mais c'est génial, docteur. Est-ce que ça veut dire que... Ça veut dire que Roberto est en train de sortir de son coma? Il est beaucoup trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. Mais c'est définitivement bon signe. Je vous préviens quand même que ce n'est pas définitif. C'est pour ça que je n'ai pas averti la famille. Oui, je m'imagine que la situation est encore vraiment très compliquée, n'est-ce pas? Mais je préfère rester optimiste. Ah, d'accord. Très bien. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Portez-vous bien. Bonne journée. Qu'est-ce que le docteur a dit? Qu'il vient tout juste d'effectuer un encéphalogramme. Et qu'ils ont noté un changement dans la fréquence comme si Roberto était en train de rêver. Il m'a dit que les ondes cérébrales sont différentes. Quand une personne rêve et quand une personne est dans le coma, mais... Je n'ai pas posé plus de questions parce que ce n'est pas mon truc, mais je sais que Roberto est en train de sortir de son coma. Eh bien, c'est génial. Je te remercie énormément, Mariana, de me laisser rester ici. Tu es vraiment généreuse. Tu n'as pas à me remercier, Bonnie. Je le fais seulement pour mon papa. Et pour Scarlett, c'est ma sœur. Ce n'est pas pour longtemps, Mariana. Elle sera là pendant quelques jours seulement. Une fois que Bonnie aura trouvé un autre logement, elle va s'en aller. Je l'espère. Parce que cette situation ne peut pas durer éternellement. Désolée, Bonnie, mais c'est vrai. Tu ne pourras pas rester dans cette maison pour toujours. Bien sûr, je comprends. Ne t'en fais pas, je m'en irai quand tout sera organisé. Quand j'aurai trouvé du travail. Et qu'est-ce que tu comptes faire, Scarlett, quand Roberto va se réveiller? Eh bien, je vais l'épouser. Ah, Scarlett. Si je ne savais pas que tu étais folle, je te prendrais sûrement pour une idiote. Tu me respectes, n'est-ce pas, Miguel Angel? Tu n'as pas de respect pour toi-même, Scarlett. S'il te plaît, ouvre les yeux. Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé? Est-ce que tu as oublié que Roberto t'a insulté devant tout le monde? Et qu'il disait qu'il ne voulait plus jamais te revoir? Et à cause de lui, tu as failli perdre la vie dans une voiture qui roulait à 120 km/h? Regarde ce qu'il t'a fait! Et malgré tout, tu retournes vivre chez lui? Voyons, est-ce que tu n'as pas un peu d'amour propre, Scarlett? Ça suffit maintenant, Miguel Angel! Oui, tu as raison. Ça suffit comme ça. Tiens. Mais est-ce que tu peux me dire ce qui ne va pas chez toi, Miguel Angel? Je n'ai plus envie de te revoir, d'accord? Tiens, prends tes clés. Quoi? Je ne comprends pas. Eh bien, moi, je comprends. Reprends tes clés. Non, pardon. Ce sont les clés de Roberto, parce qu'ici, c'est la maison de Roberto. Et si c'est la vie que tu as choisie, eh bien, c'est parfait. Je n'accepte pas ton attitude, Scarlett. Non, mais est-ce que je t'ai demandé ton avis? Je m'en fiche de ce que tu penses. Oui, je le sais, parce que je te connais. Tu n'as jamais eu besoin de personne, Scarlett. Même pas de Roberto. Pourquoi tu acceptes de te faire humilier? C'est pour son argent, il n'y a pas d'autre raison. Arrête, sors d'ici. Va-t'en de chez moi. Oui, va-t'en. Je vais m'en aller. Je m'en vais tout de suite. Tiens, je vais pas garder ça. Il est vraiment stupide. Alors, quelles sont tes compétences? Je suis couturière. C'est vrai, oui. Tu travaillais pour ma maman lorsque tu as connu mon papa. Ce n'était pas exactement le cas. Mais oui, je suis une bonne couturière. Ah! Eh bien, dans ce cas... Tu pourrais travailler pour Mariana. Elle est la propriétaire d'un très grand atelier de couture et je sais qu'elle donne du travail à beaucoup de gens. Tu as perdu la tête? Hein? Est-ce que tu crois que je vais embaucher Bonnie ou quoi? Je comprends, je comprends. Je l'espère. Gonzalo, j'ai plus envie de me prendre la tête avec toi. Les décisions qui concernent White Textile me reviennent. Et ce n'est pas un scandale ou un abus de pouvoir parce que c'est moi la présidente. Mais Roberto est mon fils. Et alors? Ça ne te donne pas le droit de te mêler de mes affaires. Je te conseille de quitter ce bureau et de retourner dans ta maison à la campagne.
Mais c'est vraiment incroyable! Je n'aurais jamais pensé que tu puisses être aussi audacieuse que ça! C'est toi qui as eu l'audace de te mêler de ce qui ne te concerne pas! Bien sûr que ça me concerne! Il faut bien que je prenne soin des biens de mon fils! Je peux aussi le faire. Ah non, Roberto est inconscient. Et je suis en train de faire des démarches légales afin que je puisse gérer ses affaires. C'est que les circonstances ne sont pas si faciles et toi, tu n'arrêtes pas d'en faire qu'à ta tête. Non! Si tu me vires d'ici, tu vas devoir confronter le conseil d'administration et j'aurai mon mot à dire puisque je serai le mandataire de mon fils là-haut. Tu n'es qu'un conspirateur. C'est très bien. Oui, j'aime quand tu me parles comme ça parce que ça me montre ton vrai visage. Si Roberto était au courant des dégâts que tu causes à l'entreprise, il serait définitivement de mon côté. Allô? Ah, bonjour, docteur. Quand Roberto sortira enfin de son coma, tu vas régler tes problèmes avec lui. Ah, mais c'est super! Oui, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu disais? Que lorsque Roberto va sortir de son coma, tu vas régler tes problèmes avec lui. Mais nous allons régler tout cela tout de suite. Roberto s'est réveillé. Le docteur vient de m'appeler et il m'a dit que nous pouvons aller le voir. Ah. Eh bien, je suppose que c'est une très bonne nouvelle. Ah, ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour toi, mais pour moi, c'est une nouvelle excellente. La maman de Scarlett va habiter chez toi? Oui. Tu t'imagines comme c'est inconfortable. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Non, 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 ce ne sera pas le cas. Lorsque nous serions mariés, tu n'auras plus à vivre dans cette maison. Hmm? Mmh. Hier soir, j'ai fait une liste. Mariana, j'aurais aimé qu'on aille voir quelques appartements ce week-end quand nous aurons le temps. Mmh. Si on a du temps, Juanca. Et il y a ma maman qui nous a invités à dîner ce soir pour célébrer nos fiançailles. Quoi, tu lui as dit? C'était en secret? Non, 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 bien sûr que non. C'est juste que j'aurais préféré... Ou alors, tu aurais préféré quoi? Je ne sais pas. Dis-moi, Mariana. Je suis vraiment perdue, Juanca. C'est vrai. Et j'ai l'impression de devoir faire face à des problèmes de plus en plus pires. C'est vrai que mon papa n'est plus en prison. Et après, je dois supporter le fait que Bonnie habite chez moi. Scarlett n'est plus à la clinique, mais selon Madame Alicia, elle a très mal à la jambe. Et en plus, elle ne veut plus me parler. Et Roberto... Roberto est dans le coma. Ne t'en fais pas. Tout va finir par s'arranger quand on sera mariés. Et alors? Tu n'auras plus à gérer ce genre de problème. Je l'espère. Pardon. Allô? Oui, bonjour, Gonzalo. C'est vrai? Tu es sérieux? Oui, 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 j'arrive tout de suite. Merci beaucoup de m'avoir prévenu, Gonzalo. Oh, Roberto s'est réveillé, Juanca. Roberto est sorti du coma. Mon Dieu, merci. Je me sens très bien. Tu as l'air en forme. On ne dirait pas que tu es resté dans le coma pendant plus de 2 semaines. Ah non, j'ai seulement l'impression de m'être endormi pendant des heures. Je me souviens que je suis venu te rendre visite à la ferme et on a parlé du fait que tu veuilles regagner ta liberté et ensuite rien. J'ai eu un trou noir. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé après. Quoi? Tu ne te souviens pas de l'accident? Non, non. J'ai seulement quelques séquelles, mais à mon avis, ce n'est pas bien grave. Je pense que dans quelques temps, je vais m'en souvenir. Mais tu te souviens bien que tu allais te marier à Scarlett, non? Je me souviens que je n'allais pas me marier avec Scarlett. Hey Roberto, je suis soulagée car tu vas très bien. Mon amour, le docteur vient tout juste de m'annoncer la nouvelle. Comment ça va? Bonjour Scarlett. Qu'est-ce que tu as à la jambe? Roberto ne se souvient pas de l'accident. Mais par contre, il se souvient d'autre chose. Je ne me serais jamais imaginé que Mariana puisse te permettre de rester ici. Ne t'en fais pas, je ne vais pas rester très longtemps. Comme je l'ai dit à Mariana, dès que je vais m'organiser, j'aurai un endroit où vivre et je vais m'en aller. Ne te précipite pas, tu es chez toi ici. Du moins, ça pourrait devenir le cas. C'est quoi ton problème, Augusto? Hier, tu voulais me mettre à la porte et aujourd'hui, tu me dis ça? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me rends compte que c'est peut-être une deuxième chance qui nous est donnée par le destin. Une chance pour quoi? Pour redevenir une famille. Je crois que tu as perdu la tête. Mais non. Je suis seulement en train de te pardonner. Ne sois pas ridicule, Augusto.
Je ne t'ai rien fait. C'est toi qui as détruit ma vie. D'accord. Eh bien, dans ce cas, c'est à moi d'essayer de me faire pardonner. Il est grand temps. Allons faire comme s'il ne s'était rien passé. Rattraper le temps perdu. Ne me touche pas, Augusto. Regarde-toi, tu as l'air tellement innocente. On pourrait croire que tu es toujours vierge. Je vais parler au médecin pour qu'il te laisse sortir d'ici au plus vite dans les meilleures conditions. Hey, papa, je veux rentrer aujourd'hui. Les cliniques sont pour les gens malades, moi je vais bien. Tu as l'air d'aller très bien, et ça se voit. J'ai tout préparé pour ton retour à la maison. Tu n'as pas encore déménagé? Moi aussi j'étais hospitalisée, Roberto. Et c'était très grave. Ce n'est qu'hier que je suis sortie, et je ne sais même pas si ma jambe se remettra. Papa, va parler au médecin pour voir ce qu'ils peuvent faire, d'accord? D'accord. J'y vais tout de suite. Merci. Alors, c'est Miguel le responsable de cet accident? C'est lui qui conduisait, mais ce n'était pas de sa faute. Est-ce que tu as mal au dos? Oui, rester 2 semaines comme ça au lit peut tuer n'importe qui. Ah, attends, laisse-moi t'aider un peu avec les oreillers. Là. Merci. Merci. Tu viens de me gifler? Si tu oses me toucher encore, je te tue. Tu entends? Non, mais je ne comprends pas. Tu étais si douce et affectueuse. 17 ans en prison? Ça changerait n'importe qui. Va vite ouvrir. Monsieur Augusto, ça va? Je suis venue voir Bonnie. Adri, viens, viens, entre. Attends, je vais t'aider. Merci. Voilà. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi est-ce que votre visage est tout rouge? Eh bien, c'est un signe. Je suis en bonne santé. Viens, entre, Adri. Ne reste pas là. Merci. Je ne comprends pas. Tout ce dont je me souviens, ce qu'on était au bar de la foire du textile. Et ensuite, où est-ce qu'on est parti? À la maison. On était dans ta voiture. Et c'est là qu'on a eu un accident. Et pourquoi c'est Miguel qui conduisait ma voiture? Parce que tu n'étais pas en état de conduire. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est que tu étais sous, Roberto. Tu étais sous comme un coin. Pardon, mais ça fait des mois que je ne bois plus. Bonjour. Marie. Salut, Roberto. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-elle? Roberto, c'est Mariana. Mariana. Mais c'est ma sœur, mon amour. Tu ne t'en souviens pas? Non. Non, non. Vous devez être en train de vous sentir très mal, n'est-ce pas? Scarlett ne veut pas vous voir. Ma maman a presque failli. Non, pas presque failli, elle vous a carrément mise à la porte. Et je m'imagine que Mariana ne vous a pas réservé un accueil très chaleureux. Tu sais quoi, finalement, elle a été la plus compréhensive de tous. Au moins, elle m'a donné la permission de m'installer ici jusqu'à ce que je m'organise. C'est bien. Quels sont vos projets, Bonnie? Bien, Adri. Trouver un travail. Reconstruire ma vie. Génial. Maintenant que vous le dites, j'ai une proposition à vous faire. Laquelle? Ma maman m'a dit que vous étiez couturière, c'est vrai? Oui, j'étais couturière. Et j'espère ne pas avoir perdu la main. Je suis sûre que non. Non, mais Mariana m'a bien précisé qu'elle ne m'embaucherait pas. Ah non, mais c'est pas à l'atelier de Mariana. Ce sera plutôt chez White Textile. Ça me semble être une excellente idée. En plus, j'ai des contacts à White Textile. La présidente, mademoiselle Lina, est mon amie. Je pourrais parler à monsieur Gonzalo. Je ne fais pas confiance à ce type. Vous le connaissez? Bien, oui. Je le connais, mais je ne pense pas qu'il va se souvenir de moi. Il se souvient de tout le monde. Il se rappelle de Lina, il se rappelle de Scarlett, il se rappelle de toi. Mais il ne se rappelle pas de moi, Gonzalo. Non, non, il ne se souvient pas de tout. Il ne se souvient même pas de son propre accident. Oui, c'est clair. Évidemment. Il refuse de se souvenir des moments traumatisants. C'est pour ça qu'il m'a aussi oublié. Voyons, Mariana, en fin de compte, tu penses ne pas être importante aux yeux de Roberto ou au traumatisme? Ça n'a pas d'importance. Pas d'importance? J'ai demandé à l'univers de me donner un signe. Il l'a fait. Et maintenant, je sais. Non, 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 tu ne sais rien, et moi non plus, d'ailleurs. Tout ce que nous savons, c'est que Roberto a une amnésie partielle.
Mais ça aussi, ça va passer. Le médecin a dit que dans 2 ou 3 mois... Mais moi, je ne peux pas attendre tout ce temps. Gonzalo, je ne peux pas continuer à mener une vie en suspens. Je ne peux pas vivre comme ça. J'ai besoin d'avancer. Je vais devoir prendre une décision. Mariana, je comprends que tu sois blessée, mais... Non, je voulais seulement que la vie me donne une réponse. Et je l'ai eue puisque Roberto s'est réveillé. Il ne se souvient plus de moi. Il a oublié les sentiments qu'il avait pour moi. Il a oublié et les moments qu'on a partagés ensemble. Il ne s'en rappelle même plus. Alors ça n'a plus d'importance, non. Ce n'est pas important. Je sais à quoi m'en tenir. Est-ce que tu vas te marier avec Juan Carlos? Bien sûr que je suis très heureuse, princesse. C'est pour quand le mariage? Nous n'avons pas encore trouvé une date, Nata. Mais vous devez faire au plus vite. Et n'oubliez pas que la première invitation est pour moi. Nous en tiendrons compte. Et après, est-ce que vous viendrez à Boston? Eh bien, nous avons décidé de rester à Bogota pour commencer. Au départ? Eh bien oui, Mariana, le monde est grand, on peut s'installer où on veut. Boston, c'est parfait. Il y a de très jolis appartements tout près de chez moi. Je vous enverrai les photos. Et puis comme ça, je pourrai aussi garder vos enfants. C'est une très bonne idée, Nata. On va y réfléchir. Tu vois, Mariana, si on bouge à Boston, on n'aura pas besoin de nounou. Comment ça? Vous avez pu entrer en contact avec Nata? Elle est là. Viens voir. Bonjour, grand-mère. Ça va? Bonjour, Nina. Comment ça va? Est-ce que tu savais que Mariana et Juanca auront des jumeaux? Non. C'est faux. Elle vient d'inventer ça. Mademoiselle, d'où est-ce que tu as tiré l'idée qu'on allait avoir des jumeaux? Voyons. Mais c'est une bonne idée, n'est-ce pas? C'est une excellente idée, Nata, je suis d'accord. Mariana, il faudra commencer à travailler là-dessus. C'est un long processus. Oui, oui, c'est très bien. Il y a beaucoup de choses dont tu ne t'en souviens plus, Roberto. Tu ne te rappelles plus de ma sœur Mariana, ni de l'accident. Et sans compter plusieurs autres petits détails, je pense que tu aurais dû rester beaucoup plus longtemps à la clinique. Rester à l'hôpital ne m'aurait pas du tout aidé à retrouver la mémoire. Il fallait que je sorte pour faire face à ma vie. Oui, mais le truc, c'est que tu n'as pas les idées claires. Ah oui? Tu ne crois pas que j'ai été assez claire avec toi? Eh bien non. Pas vraiment? Pas du tout. Depuis que tu es sortie de la clinique et que je suis venue te récupérer, tu ne m'as pas adressé la parole pendant le trajet. Et à chaque fois que je te pose une question, tu te forces à me répondre seulement par oui et non. Est-ce que ce n'est pas suffisamment clair comme ça? Si quelque chose te contrarie ou si tu as un problème, est-ce que tu peux me le dire? Oui. Il y a bien une chose qui m'agace, et ça m'agace beaucoup. C'est le fait que tu aies déclaré à tout le monde que nous allions nous marier. Tous les magazines en parlent. Je l'ai lu moi-même. Je ne savais pas que tu lisais des magazines de célébrités. Oui, et je ne savais pas que tu pouvais être aussi opportuniste. Tu t'es servi de l'accident pour faire avancer ta carrière. Quelle carrière? Quelle carrière, Roberto? J'arrive à peine à tenir sur mes jambes. Tu m'as vu? Quelle carrière de mannequin? Comment tu veux que je fasse un défilé dans cet état? Scarlett, tu es capable de faire n'importe quoi pour faire carrière à Milan. Tu serais même prête à apprendre à voler. Est-ce que c'est un compliment ou une insulte? C'est la vérité, tu ne penses absolument rien d'autre qu'à ta propre carrière. Oui, alors est-ce que c'est un défaut, Roberto? Bien sûr, si j'étais un homme, ça serait bien vu, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas en train de parler d'égalité de genre. Tu sais quoi? Tu veux que je sois claire? Attends, tu vas voir. Nous n'allons pas nous marier. Et enfin, pourquoi? C'est complètement absurde, Roberto! Pourquoi tu me traites comme ça? Est-ce que cet accident ne t'a servi à rien? Tu as passé tant de jours à la clinique et tu n'y as même pas pensé une seconde, Roberto. Je ne t'ai jamais rien fait de mal. Mais non, bien au contraire, moi j'ai toujours été là pour te soutenir. Dans les bons, dans les mauvais, même dans les pires moments. Regarde-moi! Regarde ce que ça m'a coûté de toujours être à tes côtés. C'est comme ça que je te remercie. Non. Je ne suis en aucun cas responsable de ce qui t'est arrivé à la jambe. Je ne me souviens même pas de cet accident, mais si tu étais avec moi, c'est parce que t'es venu me chercher. Je te l'ai demandé. Eh bien non. Tu ne l'as pas fait. Et alors? Alors quoi? Je t'ai cherché par mes propres moyens, malgré le fait que toi, tu ne voulais pas me voir. Tu es venu par ta propre volonté, dans la voiture que je ne conduisais pas. Alors écoute-moi. Si tu veux rejeter la faute sur quelqu'un, va voir Miguel Angel, pas moi. Roberto, tu es tellement injuste. Je ne pense pas. Mais où est-ce que tu vas? Je vais faire ma valise. Ouch. Ah.
Je n'ai pas beaucoup de temps, alors si tu as quelque chose à me dire, dépêche-toi. Bien sûr, mademoiselle Lina. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté ce rendez-vous avec moi. Un peu au dernier moment, non? Ça fait 3 jours depuis que j'attends cet instant. Et? Pourquoi vous vous montrez aussi désagréable, Lina? Je croyais que vous et moi étions des amis. Ton amitié m'a coûté très cher, en tout cas. Est-ce que vous faites référence à l'argent que je vous dois? Oui, je fais bien référence à l'argent que tu m'as emprunté, à la scène que tu as faite en pyjama devant mon bureau il y a 3 jours, pour tous les ennuis que tu as causés à mon avocat en essayant de te faire sortir de prison. Augusto, à ce que je vois, tu n'es qu'un sale ingrat. Et tu oses me dire que tu comptes poursuivre Miguel Angel en justice? Non, je ne compte absolument pas poursuivre Miguel Angel en justice. Ah non? Non. Je lui ai pardonné. Je sais que Scarlett a certes subi un choc, mais ça reste un accident. Et personne n'est responsable de ces accidents. Ah, très bien. Tu peux partir maintenant. Pas tout de suite, mademoiselle Lina. J'ai une faveur à vous demander. Encore? C'est le dernier. Enfin, je dirais plus... le dernier pour le moment. Augusto, sors immédiatement de mon bureau. Laissez-moi terminer, mademoiselle Lina. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est une urgence domestique. Pourriez-vous aider un membre de notre famille? Il s'agit de quoi? C'est à propos de la maman de Scarlett. Ce qui me plairait vraiment, c'est un appartement avec de grands espaces, avec de grandes fenêtres en particulier, qu'il y ait beaucoup de lumière, qu'il se trouve tout près de Béatrice Durand. Et tu veux acheter ou tu veux louer? En fait, Juanca veut acheter, mais moi j'aurais vraiment préféré louer. Mais pourquoi? Ce sera bien, ce sera ta toute première maison avec Juanca. Tu ne penses pas que ce serait beaucoup mieux que vous ayez une toute nouvelle maison? C'est exactement ce que Juan Carlos m'a dit. Eh bien, dans ce cas, c'est quoi le problème? Vous pensez que l'endroit qu'il choisira sera trop cher, peut-être? Vous avez des soucis financiers? Non, non, non. Ce n'est pas du tout un problème d'argent. Oui. Grâce à Dieu, avec Béatrice Durand, ça marche plutôt bien. Donc, ce n'est en aucun cas un problème. Mais alors? C'est que j'ai d'autres soucis à côté Isabelle. Mon père est en liberté conditionnelle. Et Scarlett ne va pas très bien depuis l'accident. Et Roberto White ne se souvient plus de toi? Eh bien, Roberto a une amnésie partielle. Et c'est bien le cadet de mes soucis, n'est-ce pas? Tu en es sûre? Bon, eh bien, nous sommes prêts à partir, maman. Merci pour le déjeuner, c'était vraiment délicieux. Ça m'a fait plaisir de parler à Nata, mais nous devons aller travailler. Mariana me racontait justement à quel point les affaires marchent en ce moment. Le plus important, c'est que vous faites beaucoup de profits. C'est vrai, maman, tu as devant toi un couple qui a beaucoup de succès. On y va? Oui, allons-y. Eh bien, Isabelle, merci beaucoup pour tout. Le déjeuner était vraiment délicieux. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir, Mariana, bonne journée. Merci. Maman. Au revoir, Juanca. Au revoir. Ce sont des informations personnelles de Bonnie? Oui, son nom complet, son numéro de carte d'identité et son adresse. C'est la base pour signer un contrat de travail. Bonnie est une très bonne personne, mademoiselle Lina. Persévérante, responsable et très honnête. Je la recommande aveuglément. Je mettrai ma main à couper la concernant. C'est normal que tu penses qu'elle est une merveille étant donné qu'elle a été ta femme. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que Bonnie a fait durant toutes ces dernières années? Je pensais vraiment que Scarlett n'avait plus de mère. Elle était en Europe, en Espagne, je crois. Tu crois? À vrai dire, elle a beaucoup voyagé ces derniers temps. C'est une femme aventureuse, avec beaucoup de dynamisme. Mais vraiment honnête. Elle n'a jamais eu de problème avec la justice. Mais après toutes ces années, elle n'arrive plus à maintenir le même train de vie en Europe. Donc, du coup, elle est revenue ici, mais regrettablement, sans emploi. Augusto, est-ce que tu me caches quelque chose? Vous pensez que je vous cache quelque chose, mademoiselle Lina? Elle maîtrise très bien tout ce qui est fil, les tissus, chiffons et bien plus encore. Elle pourrait faire une très bonne chef d'équipe grâce à ses compétences. Elle est intelligente, très instruite, belle. Oui, très belle. Je vois, je vois. Ce n'est pas si difficile à croire étant donné qu'elle est la mère de Scarlett. Tu n'es pas obligé de partir. Scarlett, s'il te plaît, n'insiste pas. Non, je ne vais pas insister pour que tu restes avec moi, Roberto. Je te le dis calmement que tu n'as pas besoin de partir.
Parce que c'est ta maison. Tu peux te la garder. Non, mais je ne te demande pas de déménager. Mais je vais m'en aller. Non. Je peux le faire seule. Je ne vais rien garder, Roberto. Les clés de la voiture sont à l'étage, sur la table. À côté des deux cartes de crédit que tu m'as données. Je ne vais prendre aucun vêtement. Mes bijoux, c'est marrant, mais... Tu peux les donner, les brûler. Ils n'ont jamais été à moi, Roberto. Ne sois pas mélodramatique. Je ne suis pas mélodramatique. Je suis simplement sincère. Et c'est très différent. Tu voulais de la clarté, n'est-ce pas? Écoute, je ne veux absolument rien de toi. Rien. Tu as oublié beaucoup de choses, Roberto. Tellement de choses, oui. Et j'espère pour toi que tu ne t'en souviendras pas. Parce que ça risque vraiment de te faire du mal. De quoi est-ce que tu parles? Que Mariana avait raison. Que je finirai par mal tourner avec toi. Tu es inconscient, Roberto. Et la personne la plus égoïste que je n'ai jamais rencontrée de toute ma vie, Roberto White. Ne se soucie que de Roberto White. Combien de fois est-ce que j'ai entendu ça? Et c'est toi qui me dis de telles choses? C'est vrai que tout le monde dirait que tu es la femme la plus généreuse du monde. Pas du tout égoïste. Non, je ne le suis pas. Non, pas moi. Moi, je suis une gagnante, Roberto, oui. Je me soucie bien plus de moi que les autres autour de moi, oui. Et je n'ai absolument pas l'intention de changer, car je n'ai pas honte de moi et je l'assume. Au moins, je n'ai pas fait semblant, Roberto. Ce n'est pas nécessaire de dire que j'ai complètement tout oublié. Pourquoi faire pour cacher mes erreurs, non? Non, monsieur. Mais toi, par contre, tu n'as aucune idée de tout ce que tu as fait. J'ai fait quoi? Ne compte surtout pas sur moi pour te le dire. Tu trouveras bien. Tu sais quoi? Dis à Bonnie de venir cet après-midi. Je vais la recevoir ici, dans mon bureau. Merci beaucoup, mademoiselle Lina. J'étais persuadée que vous aviez un cœur gros comme ça et que vous alliez m'aider sans non, hésitation. Non. Ne te méprends pas. Je ne fais pas ça pour t'aider, d'ailleurs. Tu ne le mérites pas. Je dirais même que je suis folle de t'avoir laissé entrer dans mon bureau. Si je le fais, c'est uniquement pour Mariana et Scarlett, parce que ce sont mes amis. Eh bien, je vous remercie malgré tout, mademoiselle Lina. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Larota, comment allez-vous? Bien, merci. Faites-moi une faveur. J'ai besoin que vous fassiez quelques recherches sur les antécédents d'une personne. Bonnie Aguirre. Et elle a dépensé beaucoup d'argent à l'étranger. Vous voulez bien vérifier avec Interpol, s'il vous plaît? Merci. Bien sûr que j'ai besoin d'un emploi. Mais Adri m'a dit qu'elle allait parler à Gonzalo White. Mais Gonzalo n'a aucun pouvoir sur la textile White. Celle qui mène la barre et qui prend les décisions, c'est mademoiselle Lina. Et c'est pour ça que je suis allé lui parler. Mais Adri m'a dit... Non, je m'en fiche. Peu importe ce que dit Adri. J'ai été obtenu un rendez-vous avec mademoiselle Lina, la PDG de l'entreprise. Donc, impossible de faire mieux. À toi d'en juger, Bonnie. Qu'est-ce que tu as dit à cette femme sur moi? Eh bien, je lui ai dit que tu es très douée, intelligente, honnête. La vérité, quoi. Tu en penses quoi? Tu ne lui as pas dit que j'ai fait de la prison? À quoi tu peux penser? Mademoiselle Lina est la personne la plus correcte et la plus droite que je connaisse. Et si jamais elle apprend que tu es une ex-détenue, c'est fini pour nous. Voilà. Regarde. Comme tu le vois, l'adresse de White Textile. Allez, va te préparer et fais-toi belle et vas-y. Et pas la peine de me remercier pour quoi que ce soit. Considère mon geste comme étant une sorte de... une façon de me faire pardonner du mal que je t'ai fait. Et s'il te plaît, comprends-moi. Allons éviter les problèmes. Ne dis rien à mes filles. Je veux que Mariana et Scarlett connaissent la vérité. S'il te plaît, ne me dis pas que tu m'avais prévenu, d'accord? Oui, je t'avais prévenu. Mais Miguel Angel, tu peux me croire que ça n'aide pas dans ma vie en ce moment? Absolument pas. Eh bien, je suis vraiment désolé. Si tu es venu ici pour demander de l'aide, je pense que tu t'es trompé. Miguel Angel, mais tu es mon ami. Scarlett, qu'est-ce que je t'avais dit la dernière fois? Ah non, nous n'allons pas en reparler. Non, parlons-en, il le faut. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit la dernière fois? Que tu ne voulais plus me voir. Exactement. Et qu'est-ce que tu fais ici?
Miguel Angel, je n'ai personne d'autre. Je me sens seule en ce moment de ma vie, complètement seule. Tu as toujours été seule. Toujours. Le problème, c'est que tu ne l'as jamais accepté, c'est tout. Pourquoi tu sortais avec Roberto? Pour sa compagnie? Non, tu en avais après son argent. Il m'a également utilisé, Miguel Angel. Oui, tu l'as bien mérité. Non, ne me regarde pas avec cet air offensé. Toi et moi, nous savons parfaitement à quoi tu jouais, tu ne l'aimais pas. C'est faux, je voulais Roberto. Tu me prends pour un imbécile, tu t'es mise avec lui pour t'amuser, je vois pourquoi tu voulais l'épouser, d'accord? Très bien, très bien, tu voulais être avec lui. Oui, mais pourquoi? Parce que tu voulais être la femme d'un millionnaire, n'est-ce pas? Parce que la petite Scarlett était fatiguée d'être pauvre, voilà le problème. Ça aurait été tellement satisfaisant de regarder les autres femmes de haut. Tu te sers de lui pour ne plus être pauvre. Bien, d'accord, oui. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir réussir? Rien. Rien. Ce n'est pas la peine de t'en faire. Tu vas réussir. Tu trouveras le chemin à prendre. Vu que tu ne changeras jamais, n'est-ce pas?